Bonjour. Et bonjour le chat, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer. Enfin, on va continuer. On va essayer de continuer et on va essayer de try le 100% sur Tears of the Kingdoms. J'ai bien avancé depuis que j'ai pas stream dessus. J'ai quand même sacrément bien avancé. J'ai déjà fait tout ce qui est les souvenirs et tout le tralala de soin. Et donc là, du coup, on va juste se balader concrètement, trouver tous les secrets de Hebrews, faire tout, essayer de faire toutes les missions qu'on trouve. Et voilà, du coup. Voilà. Et d'abord, on va faire le petit test. Pour savoir si le son il est bien comment dire calibré. Je sais pas comment je peux expliquer. Tac. Ouais, c'est bon. Nickel. Tout est clean. Il est où mon support pour mettre mon téléphone dessus là? J'ai plus de support moi. Le bail. C'est chiant, je peux pas mettre mon téléphone en mode portrait. Because l'application elle pue sa mère. Je crois qu'il est où ce truc? Je sais même plus. Donc voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Les musiques de Zelda, elles sont. Enfin, de la série Zelda, elles sont incroyables. Et voilà. Mon perso, je m'étais arrêté ici. J'ai bien avancé. J'ai un peu farm, on va dire. J'ai un peu farm. Les glitches. Pour avoir des cornes de linelle. Pour avoir tout le truc. C'est terrible, je sais pas où me mettre mon micro. Après, c'est pas fait pour non plus. Hein. Bon, je vais rester comme ça, c'est bien. Wesh Bambino, bien? J'ai bien avancé depuis. J'ai bien avancé. Puis. Regarde le jeu. Concrètement, je le sèche, le pauvre. Je sèche le jeu, ma gueule. Ça va, ça va. Oh, tu es venu à ma rescousse. À ma rescousse, je suis venu t'aider. 6000 fois, je m'étais mis en route pour apporter des vivres. Et le son de mon corps au village Piaf qui confronta une terrible tempête. Alors que je venais de partir, le sol s'est ouvert devant moi et je suis tombé dans cette énorme fosse. Mon cheval s'est fait la malle. Je ne sais où et mon chargement est fichu, il ne reste plus que mon chariot. Je n'arrive pas à escalader la paroi et quand bien même je n'arriverai jamais. Je ne veux pas partir sans mon chariot. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis reconnaissant d'être venu à ma rescousse, mais je me demande comment on va sortir de ce trou. Neil Armstrong n'a pas inventé la gravité. 200 IQ. Merde. Je suis trop con. On va faire autre chose. Il casse les couilles avec son bordel, lui. Tadam. Sur Switch. Il est clairement sur Switch. Regarde.
Là, il y a tous mes jeux, il y a mon compte, il y a le jeu de ma mère, il y a ça que j'essaie mais qu'il faut l'abonnement online, du coup j'ai un peu le mort. Breath of the Wild, Pokémon Bouclier, le jeu de ma mère, le jeu de ma mère, Pokémon Diamant, FNAF El Point de Kid, SSB, Let's Go Pikachu. C'est vraiment ma Switch. C'est toute ma Switch, il y a tous mes jeux dessus. Enfin, j'ai pas beaucoup de jeux en vrai, en réalité. Mais j'ai les meilleurs, on va dire. C'est quoi? Je sais pas, c'est pas moi qui y joue. Donc je pourrais même pas te dire. Grimpe dans le chariot. Ouais, fais-moi confiance, ouais. J'aurais peut-être dû mettre un gouvernail. C'est pour essayer de guider ce bordel. On va conduire le chariot. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça pue la mauvaise idée, hein, mais. C'est très drôle. Oh, ça va être long. Peut-être rajouter des propulseurs en dessous. Pour essayer de le faire décoller plus vite. Voilà. Michael Jackson n'est pas mort. Ah ouais? C'est fou ça. Il veut se coller à quoi, je comprends pas là. Il veut se coller à ça. Ouais, ça va être. Oh le bordel. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Par contre, ça consomme tellement mon énergie, c'est une singerie. Hey, hey. Attends. Oui, 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 oui. Comment on va pouvoir faire ça? Il y a un nouveau bouton sur le chat, je sais pas à quoi il sert. Pour donner des sous. Donne des sous. Comment je pourrais faire ça? Mais en vrai, le fait de mettre ça comme ça, déjà, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Ouah, ça va balayer. Et non, tout se passe bien. Bon, pas vraiment, mais. Ah, mais d'accord, ok, je suis trop con. Pas très bien centré, quoi. Eh ben oui, mais bon, bon monsieur. Mais au pire, ouais, juste. Au pire. En vrai de vrai, je peux juste faire ça. Ah merde, je peux pas faire ça. Je voulais le prendre après avec le bordel, là, pour qu'il reste en l'air. Il s'est juste envoyé des bits. Des bits? Tu veux m'envoyer ta bite, Bambino? Ah mais d'accord, déjà en fait... Bah oui, il est pas collé avec le bon truc. Johnny Hallyday est ton père. C'est son crâne le petit là. Ah
Mais je peux pas. Parce qu'en gros, je dois le ramener en haut avec sa, son chariot de con là. C'est pour ça que je fais ça, sinon je me ferais même pas chier. C'est une mission donc faut que je le fasse quoi. On va mettre des propulseurs à l'arrière. C'est Pimp My Ride le bordel, je te jure. Tac, on va mettre des propulseurs. Ah, au pire, il escalade. Je vais comprendre, au pire, t'escalades. Ouais, c'est parce qu'il est gros. Pour escalader. On va mettre des gros turboréacteurs, ma bite. J'espère que tu seras payé pour une mission aussi chiante. Je te jure, je suis sûr que je vais juste avoir un vieux truc nul à chier. C'est probable, hein. Allez, grimpe, sale pute. Oh, il casse les couilles. Nickel. Et là, ce que je vais faire, c'est que... Tac, on va bien le mettre là, comme ça, au milieu. Ça marche! Bon, ça bouffe énormément de consommables. Je peux pas tourner. Je peux pas tourner. On va descendre. Les couilles. Vraiment un gros porc celui-là, obligé de s'asseoir. Je te jure, il a juste à rester debout quoi. Bon, il monte. Voilà le problème. Le problème, c'est certainement ce réacteur à l'arrière. Il faut qu'il pousse. Tu vois? Ça pousse. J'ai bientôt ma paye Twitch. Et ça, c'est beau. Et concrètement, dès que j'ai ma paye Twitch, je vais pouvoir m'acheter une nouvelle caméra. Et ça, c'est bien. Yes. Magnifique, c'était beau ce que j'ai fait. J'allais le brûler, j'allais lui lancer des trucs à la gueule. Casse les couilles, c'est quoi ce, cette récompense de connard là qui m'a donné? Nu à chier. Je... Eh non, c'est passé, Bambino. J'ai été meilleur. Bon, tu vois, je fais la 4 des 100%, par contre, les Korogu, je les fais pas. C'est hein. Hors de question que je fasse les Korogu, frère, c'est beaucoup trop chiant. Mais concrètement, là, ce que j'ai déjà fait en quête secondaire, je l'ai fait à peine 21 sur 60. Les quêtes principales, j'ai tout fait, parce qu'en gros, Abad Ganondorf et à la recherche de Zelda, c'est les dernières missions, en fait, avant que le jeu il te rebalance là où t'étais avant. Donc là, les quêtes principales, j'ai tout fini. Du coup, ce qui importe, c'est j'ai récupéré tous les souvenirs d'aventure. Donc j'ai tout. Le principal, c'est fait. Et les personnages, j'ai tout. J'ai tous les persos. Bon,
Donc là, concrètement, en fait, ça va juste être de la grosse découverte de toute la map. Parce que la map, je n'ai découvert que 45%. Je n'ai découvert que bientôt que la moitié de ce que le jeu me propose. Même si à vue, tu vois. Putain, là. En vrai, là, c'est tout le chemin que j'ai fait. C'est tous les chemins. Tous les chemins que j'ai fait. C'est les chemins dans le ciel. Il n'y en a pas beaucoup. Je l'ai créé à un moment, mais il n'est pas fini du tout, quoi. Encore plein de problèmes. Là, c'est tout ce que j'ai fait seulement à la surface. Donc, il y a encore beaucoup de zones que j'ai pas été découvrir, tu vois. Alors là, par exemple, je n'ai même pas été. Là, je suis en train d'explorer ce lieu-là. Bon, on va aller là-bas. On va aller là-bas. Et ensuite, dans le souterrain, j'ai tellement de trucs à trouver. J'en ai trop. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais attendez, j'ai même pas été là. C'est quoi? Bon, on va y aller après aussi. Donc là, on va aller au ping rouge. On va l'explorer. C'est quoi ces grosses bites là? J'ai pas encore eu toutes les tenues aussi. Les tenues, il y en a une paire. En tenue, par contre, c'est cool, c'est qu'il y a beaucoup de refs. Majora's Mask. Twilight Princess. J'ai le truc de Tingles. Darkling qui manque plus que la tête. J'ai fait tous les labyrinthes. Pour avoir la tenue spectrale. Très stylé. Et ensuite, Darkling, là, le dieu démon, il faut que je fasse aussi. Tout ce qui est du prélude, tunique du crépuscule, tunique du temps et tout, faut que je fasse. La tenue Viga, faut que je l'ai en entière. Faut que j'ai la tunique des ténèbres en entière aussi. Il manque plus que le masque Zora. J'ai été choper tous les trucs de soldats. Et le tout de la tenue hélienne. Ouais, il manque encore beaucoup de trucs. Hein. Il m'en manque une paire. J'ai été choper l'arc crépusculaire. Mais ça avance. Ça avance, ça avance. Et là. On va quand même tous les Kogoroku qu'on peut voir, mais je vais certainement pas aller regarder style une carte interactive pour pouvoir... les faire quoi. J'ai vraiment la giga flemme. Ils se battent contre quoi? Ah mais ils se battent contre un pass. Hein. Oh merde, il a assommé, bon, ça sert même plus à rien. C'est trop fort les sages à côté qui matraquent le gars. C'est un truc divin ça. Divine. C'est pareil, j'ai des photos à faire. Faut que j'achète tout le bordel. Faut que je fasse le maximum de photos que je peux voir. Guilon le jeu, guilon. Et j'ai combien d'heures là, overall? J'ai que 90 heures sur le jeu. Non, c'est ça les sortes de gros blocs là.
C'est juste des cailloux en fait. Il y a un truc là-haut, faudra quand même aller voir. C'est quoi ça? Grotte du cratère d'Orlo. D'Orilio. D'Oriolo. Les noms sont terribles aussi. Oh wesh. Oh la douille. Bouclier lapin, mais j'en ai rien à foutre. Ce que je vais faire, c'est ça. Tac. À mon avis, il faut que je le prenne en photo, ce bordel. Ouais. Et l'arc hirondelle. Que j'ai déjà, il me semble. Ah non. Il est un peu mieux, l'hirondelle. Donc l'arc faucon, ça dégage. Je suis sûr, c'est pour aller en haut. On va mettre ça là. Là il y a un coffre. Lancerait mige. C'est des noms de con là. C'est quoi, hallebarde rouillée? J'ai même pas pris en photo, genre. Dinguerie. Ça, je l'ai déjà pris, il me semble, ouais. Eh ben, attends. Je peux aller nulle part d'autre. Ouais, donc à mon avis, ça, tac. On va le faire décoller le bousin. Et ben j'ai envie de canner, voilà, c'est y a pas mieux à dire, c'est que j'ai envie de canner. Voilà. Moi je pourrais le faire décoller ce bordel.
Où il est parti? Je sais pas du tout où il est parti, mon bordel. Bâtarve. Yes, en plein vol. Oh, c'est juste à côté. Hop là. Battery out capacity. Y a rien genre ici. Genre c'est juste un cratère. En fait, je sais pas c'est quoi ce gros bloc là. On peut péter. On peut le péter pour pouvoir aller dedans. Et du coup, ça clear mon... Ok. Y avoir un diamant là. En fait, il me faudrait un diamant pour que je le duplique, pour que je puisse faire mon truc là. Je peux pas les dupliquer parce que quand tu les lances, ça explose. C'était là où j'étais tout à l'heure, je suis trop con. Je veux pas s'enlever. On peut aller là-bas. On peut aller voir s'il n'y a pas Korogu ou quoi que ce soit. Parce
que je les fais pas, je les fais quand même pas les Korogu, mais est-ce qu'il peut en avoir pour augmenter la taille de mes trucs? Ça m'arrange. Des petites merdes ça. Ouais, il doit être au-dessus. Ouais. Yaha ! Est-ce qu'il y aurait pas d'autres... Le mont Kamfu. On va aller au mont Kamfu. Un TP. Oh là là, j'ai un coup de barre. C'est terrible, j'en vois pas une, frère. Clairement, pour c'est rien littéralement au même. J'arrive mais close au bordel. Très très close. Hop, et on va grapper le reste. Tac. C'est qu'il me manque encore le pantalon pour l'escalade. Ça pète ici, c'est... ça explose le crâne. Y'a juste de l'herbe glagla là. Genre prom dug. Genre y'a rien d'autre là. Ah peut-être au-dessus. Nya nya nya.
pas aller en dessous. Ouais, si, encore en dessous un peu. Pas une grotte qui traîne là quelque part. Il y a un sanctuaire que j'ai déjà fait, celui tout à l'heure, je crois. C'est pas une sorte de marécage. Silly marécage. Les corogous, c'est... C'est pas le truc méga chiant. Si, si, c'est giga chiant. Il y en a plus de 1000 à choper. Hein. Il y en a à peu près 1000. Et du coup, moi, je les fais pas. Combien j'en ai exactement, je pourrais même pas te dire parce que je pense qu'ils le disent pas. Parce que là, j'en ai pas 29, c'est sûr, parce qu'en fait, je les ai déjà utilisés pour améliorer mes trucs, tu sais. J'en ai plus que 29. Genre, ah, on voit pas. Normalement, sur la map... Certains on peut, enfin il me semble qu'on peut les voir, on peut voir ce qu'on a déjà fait. Ah tu vois, regarde, Korogu, 6, il me semble que c'est une mission, si je dis pas de conneries. Enquête secondaire peut-être. Ah tu vois même pas, c'est même pas un... C'est même pas un... c'est même pas un défi, c'est juste une quête annexe en fait, entre guillemets. C'est quoi les âmes bizarres avec toi? Les trucs bleus là? C'est des esprits, c'est pour acheter des trucs, comment dire? Ça, les esprits, c'est... Ce truc-là, là... pour acheter des trucs. Non, les gros. Ah, ceux-là, là. C'est les sages. En gros, dans... Bah, je sais pas si tu l'as déjà fait, le jeu. Je sais pas si tu vas le faire. Est-ce que je t'explique, ou... Non, jamais joué. Tu vas le faire. Sinon, je te dis tout, quoi. Pas assez d'argent pour acheter le jeu. Ah, lance-toi dans le stream. Y'a Korogu. Non mais je sais pas, soit je te le dis ou soit je t'explique pas. Pas plus que ça. Même si je l'achète, ça me dérange pas d'être spoil. Ouais, en fait, tu vas faire ton jeu toi-même de ton côté si tu l'as un jour. Et tu vas te faire, enfin, tu vas te découvrir plus en profondeur. Parce que je vais te le dire à l'arrache. Hein. Concrètement, en gros, à chaque fin de gros donjon, et bah, t'as un esprit avec qui t'es et qui t'aide en fait. Mais t'as le choix de pas les faire, tu vois. T'as le choix de pas du tout les faire et juste, comment dire. Essayer de fumer Ganon normal sans eux quoi. Ah, c'est beaucoup plus dur. C'est tombé. Ouais, du coup j'ai eu des propulseurs, nice. Hein. Ça, à mon avis, c'est un... Un Litorok fortifié. En face, là. Bon, on va faire ma strat. Je prends ça. Avec des bombes. T'allumes tout le bordel. Tu te fais même pas chier. Je crois que j'ai pas de bombes.
une bombe. On va faire avec ça. Hein. Voilà, fini. Voilà. Le Little Rock s'est même pas levé et il est déjà mort. Tout ça en plus pour avoir pour de la merde, je suppose. Ouais, non, saphir bleu, ça se prend. Saphir bleu, ça se prend. Donc ici, je l'ai niqué. Généralement je l'ai marqué pas l'édito rock et tout. Mais c'est une quête aussi. En gros il faut que... Ouais je l'ai déjà battu. Faut que j'essaie de le refaire en vrai. Tu penses t'as combien de pourcents là? Du jeu? Ah si déjà je suis même pas à 50% de la découverte de la map. Je vais dire, je dois être à 35%, 35-40. Ouais, en gros, concrètement, là, Ganon, c'est comme dans BOTW. En gros, tu bats Ganon et ensuite, après, t'as la cinématique de fin et tout. Et après, en fait, tu reviens juste avant le combat de Ganon pour pouvoir faire toutes les autres missions. Alors t'as pas de, entre guillemets, post-crédit. Tu vois, après on peut essayer de le rebattre. On met rien, mais ça peut être sympa. Je serais pas du tout assez haut. Mais en tout cas, il y a un sanctuaire là-bas. On va aller faire le sanctuaire. Et après si tu veux on peut aller enfin je peux aller refaire Ganon, montrer, je te laisse les cinématiques. Je l'avais fait en stream en plus hein, Ganon. J'en avais chié hein. Là est-ce que j'en chierais? Peut-être moins parce que mes armes sont un peu plus fortes et je connais un peu plus le jeu, j'ai beaucoup plus de cœur, j'ai beaucoup plus de vie. Parce que vraiment quand je l'ai fait Ganon je crois que j'avais 4 cœurs, 4 ou 5 cœurs. J'avais rien. Genre vraiment c'était insupportable, je devais limite le faire en O8. Mais ça va, c'est passé. J'avais une... Ouais, 5... ouais... Grand max 7 cœurs quoi. Et je pouvais pas me heal. Merde, il y a le chat qui est encore sur le jeu. Ça dérange qu'il y ait le chat ou pas sur le jeu, Bambino? Parce que j'ai jamais vu, j'avais pas fait gaffe, j'ai pas enlevé le chat. J'ai juste enlevé le goal. Je vais être sur le chat. Voilà. Je l'ai rediminué. J'ai vu quelqu'un faire un random du jeu, il avait 3 lignes de cœur. 3 lignes, c'est pas possible, c'est 2 max. Ah, quoique. Ah, mais non, parce que si tu prends pas de. Ah, attends, je sais même pas s'il y a des. Un truc max en cœur. Ici, ouais. Pour moi c'est impossible 3 lignes de cœur. C'est trop, c'est trop. Normalement il me semble que c'est 2 max. Hein.
Je comprends pas le truc là. Ah, peut-être que si je fais comme ça. Je sais pas. Ah non. Genre il y avait deux à fond et une à moitié. Je pense que trois cœurs c'est pas possible. Comment je pourrais faire? Pas l'amalgamer. Ah, je peux pas sortir de ça. Ah, si, je peux. Non, ok, bon, tant pis. J'allais balancer le bordel. Mais ok, c'est bien beau de... Mais comment je peux faire? Je vais essayer de pinch. Si je pinch, ça serait très drôle. Pas le... Mais comment je peux le faire? Merde. Comment je pourrais faire? Je comprends pas... J'ai une idée. On va essayer de filouter. Si ça marche, c'est drôle. Eh, revenez là, vous. Que tu sais ce qu'on va faire, la bambino. C'est une sacrée bite. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais... En tout cas, je le fais. Et là, on va essayer de gratter quelques mètres avec le coffre. Si ça, c'est pas de la filouterie... C'est le caca de toute la ville. Non.
Non. Ah mais ouais, du coup c'est celle-là, elle va pas bouger. Non. J'ai trop le mort. Mais comment je peux passer ça en fait? Je ne comprends pas. En fait, je sais ce qu'il faut que je fasse. On va refilouter. Je sais comment on va s'y prendre. S'y prendre comme ça. On va refaire un énorme caca boudin. On va faire un énorme caca. Ah non, pas comme ça. Mais du coup on a moins de longe avec ça encore. C'est pas grave. Ça va le faire. Comment m'y prendre là? Non. Mais comment je le passe ce truc? Ah mais non, je peux pas passer comme ça. Oh putain, attends. Attends. Il y a moyen. Il y a moyen que je passe. Mais genre tout simple. Je vais choper une boule. Je vais monter dessus. Je vais m'envoler. Donc voilà toi. Pas monter dessus. Ah si, je vais bien vous voir montrer dessus. Ah si, celle-là, elle, c'est possible. En plus c'est ça que je suis. Je sais que je peux y arriver comme ça. Je m'en bats les couilles. Ta mère la pute. C'est trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais choper une grosse boule. Je vais mettre la... Je vais prendre deux grosses boules. Hop.
La filouterie n'est jamais finie. Putain de temple de con, en plus ça me casse les couilles. Ensuite, on enlève une boule. Je la mets ici, elle. Bam, comme ça, elle ferme le truc. Celle-ci. Je vais faire saut. Avec celle-là, au pire. Comme ça. Celle-là. Je l'avance. Je la mets là. Du coup, elle. Je vais la lever. Tac. Attends. Je vais faire ça. Donc du coup, tac. Là, j'enlève. Là, je prends ma boule. Je suis sûr que c'est pas ça qu'il faut faire, hein, mais... Je la mets. Je suis sûr que c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est terrible, hein. Oh putain, c'est pas fini, je pensais que c'était le dernier. C'est ce qu'il faut faire. Je fais ça. Tac. 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 Voilà. Bon, ça a été bien moins difficile celle-là. Mais attends, ça se finit quand ce bordel? Je pensais que je pouvais... Oh, j'ai une bête d'idée. Tac. Et tac. Voilà. Les énigmes là sont plus faciles que les énigmes du début. Enfin, l'énigme là. Semble je comprenais pas, hein, ce qu'il fallait faire concrètement. J'ai pas voulu réfléchir, il nique sa mère, on va se faire ce qu'il faut pas. Je sais pas si t'es encore là, Bambino. À la rigueur, si tu veux, je peux essayer de faire Ganon. Je peux essayer de refaire Ganon. Si ça te chauffe. Pour voir le combat. Le combat de Dieu. Tellement pas prêt. Si, en vrai, comparé à avant, si, clairement. En fait. Je vais juste préparer des trucs en amont. Tac.
Ce bouclier là, on va le défaire de l'amalgame. Et je vais... Tac. Et celui là aussi dans le loot. Je vais utiliser celui là en attendant. Et de nouveau là. Bah si tu veux je vais faire Ganon. Je vais aller enculer Ganon pour te montrer, pour essayer de récolter. Je sais pas s'il y a des trucs en plus. Je sais pas si on récolte des trucs. Attends, mais je suis pas allé du bon endroit, je suis trop con. Trop bête. On va essayer de... Je vais essayer de refaire Ganon. Pour dire d'avoir un vrai combat, t'as capté. Parce que les combats de boss sur Zelda, les boss des donjons, ils sont assez stylés, mais... Putain, celui de Ganon, il est... That was fucking insane, man. This fucking crazy, you know? En plus, là, je suis armé jusqu'aux dents, frère. Genre, là, j'ai vraiment des vrais items, quoi. Je te dis, quand je battais Ganon, frérot, c'était... Waouh. J'ai jamais vu un gars s'il peut préparer à faire Ganon, quoi. Puis là, j'ai v'là les cœurs. Je crois que j'ai des trucs pour péter ma faim, ouais. J'ai pas de trucs pour péter mes cœurs. Va falloir quand même que je fasse des potions là. Je vais aller préparer. Let me cook, you know. Je vais préparer des petits plats trop mignons. De toute façon là, je vais devoir en bouffer une paire déjà de plats là. Parce que j'ai trop de bons plats. Là. J'avais des fleurs de la princesse, il me semble que c'est ceux-là pour l'ordre de la sérénité. Princesse de la sérénité. Putain, il est déjà plein mon compartiment de plots. C'est des plats nuls en plus. Les couilles, je m'en fous, je vais garder pour après l'attaque, ça je vais garder, anti-électrique, bah les couilles, en fait tous les plats qui sont comme ça de façon, Ganon le plus moche, il est trop stylé Ganon sur ce, il me semble que c'est ces trucs là, pas du tout, pas du tout les bons plats. Et lesquels déjà? Leur radieuse? Comment ça me donne? Mais personne, je t'ai pas demandé. Mais. Y'a Siri qui s'est déclenché. Ta gueule! Mais il est malade lui! J'ai eu trop peur! Ouais, c'est ces plantes-là. Let's go. Et à la rigueur, je vais pouvoir faire... un truc spécial. Yes. Je vais te montrer un truc sympa, Bambino. Je vais te montrer un petit truc. Mais faudra pas le dire. Mais je triche. J'ai ouvertement triché sur TOTK. Je l'ai mis en story, je m'en bats les couilles. Je vais dupliquer mes items. il est où le bordel?
Par exemple, les viscères de Linel, j'en ai qu'une, pour une bonne raison, quoi. Il faut que je trouve la viande. Donc là déjà, on fait ça, tac, comme ça. Après, on le retrouve tout à la fin. Ça va mieux pour nous après. Il est là. Donc là, on prend ça, on saute, on appuie une fois, on relâche, on appuie une fois, on relâche pour lâcher, hop. Et voilà. Trop fort. Et du coup, pour les plats, c'est génial. Ah, j'ai raté, par exemple. Parce que j'ai relâché... j'ai dû relâcher trop tôt. Voilà. Là, je n'ai trop... Il faut tout le temps en avoir un seul en fait dans son inventaire. Sinon ça marche pas. J'ai raté. Pour ça j'avais déjà raté le début. Il était chier. Je voulais rattraper, mais ça va marcher. Puis c'est trop simple le glitch de duplication. Je crois que je l'ai raté. Ah non. On va les recuisiner. Mais attends, je suis trop con. Choisir une recette. Ah, attention, il m'en manque. Mais non, mais attends, du coup. Du coup, je peux aussi la dupliquer, la fleur. Bah ouais. Bah ouais. Tout ce qui est lançable et qui explose pas, je peux la refaire. Et ça, c'est cool. Elle est où cette fleur de con là?
Mais je me demande comment, pourquoi, comment ça se fait que ça se duplique comme ça en fait. Et voilà Ali. À chaque fois je me trompe. Voilà, mais du coup on en garde toujours un. Voir refaire glitch de duplication quand est-ce qu'on veut. Ouais, ça devrait aller. On a de quoi. Du plus 9, plus 6, plus 9, plus 3. Ouais, ça passe. On va le faire. Je reviens, je vais péter à Ganon une deuxième fois. Hein. Je reviens, les refs. Je vais péter sa mère. Sa grosse mère, la pute. De toute façon, là, le but pour aller jusqu'au Ganon, c'est de devoir investir le maximum possible. J'avais plus les... J'avais plus... Il me semblait que j'avais pas la roue. J'avais pas la roue, j'avais pas mes items, on voyait pas mes trucs. Je me disais bien aussi, je regardais la rediff là et en effet. Et en effet... Faudrait que je le fasse aussi avec la lame, le truc d'une aile d'argent, mes couilles là. Faudrait que je le fasse aussi. Dupliquer parce que c'est super fort comme item. Ça booste tellement fort là, l'attaque. Mais en vrai sur ce Zelda là... J'ai un peu le mort parce qu'il y a très peu de présence de la Triforce, par exemple. On la revoit pas trop. C'est un peu con. On en parle vraiment pas beaucoup, quoi, du moins. Hop, on monte là. Le possible. Nice. Je sais plus c'est où qu'il faut aller, c'est là.
placer là tout droit. Nice. Ensuite. Ça c'est pas grave. Là il y a un linel. Un linel d'argent en plus. J'avais pas vu. Ça va être terrible comme combat. On va bouffer des pommes pour avoir les trois, on s'en bat les couilles. Tac. Il a tiré sur qui là? Donc là. Va falloir être bon. C'est horrible comme attaque ça. Ok, si déjà je galère contre un linel, ça va pas le faire là. Ça va pas trop le faire. Il s'est bloqué ce con. Ouah, la fée qui me save. La fée qui me save de fou. C'est juste de l'esquive pure et dure. Il m'a feinté. Qu'est-ce qu'il fait ? La boule de feu. Oh. Je vais juste récupérer sa corne. Et en fait, il fait pas à fond. Il est horrible. Là, faut juste fuir. Putain, j'étais trop près. J'étais trop près, j'ai cramé mes deux fées et j'ai cramé les fées pour rien. Mais je crame toutes mes fées, j'ai trop le seum. Mais je crame toutes mes fées, j'ai envie de canner. Je suis en train de cramer toutes mes fées. Oh, close de fou. Ah, je le bats, mais vas-y, j'ai trop le mort. Je crois que j'ai cramé toutes mes fées.
J'ai plus une fée. J'ai tout cramé. Ah non, j'ai plus rien. Ah, j'ai trop le mort. Un bouclier et un sabot. J'ai trop le mort. J'ai dépensé toutes mes fées pour rien là. Chier. Et si j'ai une lune de sang pendant que je repose Link, j'ai trop le seum. Je suis même pas obligé de le taper hein, l'autre con de Linel. Mais c'est juste que ça rapporte tellement de stuff intéressant que vas-y frère, c'est chiant de passer à côté quoi. C'est trop chiant de passer à côté. Ah, j'ai à peine 87 Korogu. Hein. C'est tellement peu. À 1000. Je suis même pas à un dixième. Du coup, je vais demander un nouveau cœur. Est-ce que j'ai assez pour faire deux vœux ou... J'en ai 5 de cœur. Ouais, 6 même pas. Give me the earth. Give me the earth. Give me the, give me the earth. Hop là! Va et ramène le P dans le monde. Le P. Ramène le prout dans le monde. Le monde du prout. Eh mais à la rigueur, je peux faire encore mieux. Ouais, je vais essayer de faire ça. Ce que je vais essayer de faire, c'est que, avec l'argent de Twitch que je vais choper là, je vais essayer de m'acheter une Wii U. Je vais essayer de la crack pour mettre Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild et faire ça en random. Essayer de faire BOTW, mais en random. Comme ça, j'ai du contenu BOTW. Un jeu que j'apprécie aussi de fou de la licence Zelda là, du coup. Et comme ça, je pourrais le random. Si craquer une Wii U, c'est aussi simple que de la Wii. Franchement, free quoi. Rafale des morts. Ah, c'est pour ça, ça charge. Je dis bien que ça avait freeze.
Caillou qui tombe. Là, y a pas les chauves-souris. Et du coup, y a pas le linel. Fumé avant. Ensuite, là, je monte là-dessus. Tac. En vif. Comas. Ok, merde, ça marche pas. Ensuite, je prends ça. Je fais ça. Là c'est là derrière. Là j'ai plus de... J'ai plus de sage. J'ai plus les esprits de sage. Tac. Là on fait ça. Tac. Oh, j'ai gâché ça pour rien. J'ai envie de canner. Ah, et du coup là... Putain, c'est trop court. Dégage. Merde la pute. Là on arrive ici. C'est le début du jeu là. Niquez vos mères, moi je me casse. En vrai les Girgo là, je sais pas quoi, m'habitent. J'ai limite envie de les saquer. Pour pouvoir avoir... Ta mère. Ça qui est terrible. Mais putain, mais il s'arrête jamais, frère. Ça, ça dégoûte. Il est censé crever ce babouin. Petit beau gobelin de mort. Je peux pas crever. J'ai pas madame purificatrice. Elle a combien? 3 minutes.
Cette ambiance elle est folle. Et normalement il y a la torche de Zelda pas loin il me semble. Il est déjà plus là. Encore là Bambino. Parce que là ça va chier. Celle des gains, Link. Link, t'es moche. Avec ton pantalon dégueulasse, là. On va rectifier ça. pantalon du lieu d'Imo. C'est terrible. Mais putain, en fait, ce qui est horrible, c'est vraiment les attaques d'en masse. Ta mère, tout, si tu me vois. M'attaque en même temps. Je ne comprends pas ce putain de jeu. Je vais quand même pas galérer sur la horde de beaux gobelins quoi. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il ne s'arrête pas d'attaquer. C'est horrible. Ça s'arrête même pas. Les alphos, ils sont trop chiants. Mais comme ça, je pourrais en profiter pour faire des... Les photos de Ganon et tout. Cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais même me faire chier, frère. Ça lance un rubis. Hop, oh, triple explosion. Nique ta mère.
gueuler les alphos, ils sont trop chiants. J'ai jamais vu des casse-couilles pareilles. Ouais, nique ta mère. C'est bon. J'en ai marre. En fait, là, c'est peut-être les plus chiants du truc. Est-ce qu'il te sprint à la gueule là? C'est cool, je récupère, enfin je suis en train de farmer en même temps mes trucs qu'il me faut là. Ah ouais, après il y a les gros bocoblins. Je crois que le jeu était soft lock parce qu'il y avait un ennemi qui était bloqué ou je sais pas quoi là. J'ai eu peur moi. Waouh, ils ont tout cassé. Hein. On dirait les miasmes du roi démon. Alors c'est là-bas qu'ils se cachent. Ça marche. Les sages sont capables. T'en fais pas. C'est des ennemis qu'on a déjà battus. Ce sera un jeu d'enfant, tu peux me croire. Va, Link, je t'en prie. Nous plaçons tous nos espoirs en toi. Miasme. Au moins par le passé,
il faisait encore preuve de ténacité. Ah, trop stylé cette cinématique. Mais bon. Je suis venu te casser la gueule pour te prendre en photo, Ganon. Je suis juste venu faire des petits clichés de ta bouille toute mignonne. Il est temps de rendre à ce royaume l'apparence qui doit être la sienne. Je ferai régner ma loi sur le monde. Je vais le subjuguer. Comme il sied au souverain que je suis. Ganondorf, roi des mots. Yo. Le véritable roi René. C'est qui René? On sait toujours pas c'est qui. Sois témoin de l'avènement de son monde. Non, je suis juste venu prendre une photo. Attends. You. Ganondorf, roi démon. Ah oui, c'est vrai, c'est les esquiveux. Sous le tech. Wesh, j'ai jamais eu cette attaque là par contre. Soumets-toi. Hors de ma veille. Soumets-toi. Soumets-moi. Ta gueule, Ganon. C'est pas cette forme-là qui me fait peur, Ganondorf. C'est la forme d'après qui me fait sacrément peur. J'ai pas enlevé... Putain, ta mère. Il tape un peu plus fort. Tant pis pour eux. Faut pas comprendre sa douleur, le roi des monstres. L'union ne fait pas toujours la force. Link, désolé pour le retard. Hop, il esquive. Non, pas tout de suite. Ta gueule. Link, oui. Terrasse le roi démon. Vous inquiétez pas. Du baiser sa mère. À ce foutu roi démon de con là.
Oh oui, 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 oui. Vas-y, viens. Vas-y, quand t'as la lance, t'es trop nul. Quand t'as la lance, tu pues du cul. Faut que je reprenne une photo ou... Ok. Boum. Non, à mon avis non. So good. Elle est plus stylée celle-là quand même. Ah oui, carrément. Elle est trop chiante cette attaque à esquiver. Attendez, hein, j'ai vu qu'il y avait des messages, mais je suis focus là. Oh shit! Salut Schweppes, salut Gohan, ça va? Je refais le roi démon parce que je devais faire des photos. Je vais faire des photos de lui. Du coup, je le refais une deuxième fois. Oh, mais quel connard! Je me suis jeté dessus. C'est trop chiant, j'arrive pas à l'esquiver quand il me contre. C'est trop trop dur ce con. Là on l'attaque, il va esquiver. Ah voilà, nickel. J'ai oublié de mettre mon bouclier, j'avais pas mon arme à la main. Ah bah il me tèche des cœurs. La sauce est pas nice. Salopard. Je suis en train de fumer tous mes boucliers, ce con. Si vous me manquez un lettre pour première ce soir, je suis dispo. En plus, je suis solo toute la soirée. Ah ouais, de toute façon, nous, la première, on l'a fait quasi plus. Vraiment, qui le fait, on va faire ça la saison prochaine. Pour gouverner ce monde, pour être votre
toi à tous. Je ne m'inclinerai pas. Pas devant un enfant. Côté son crâne, le chien. Gulp. Gulp. Et là, il me semble que le chargement il est bas de long. Peut-être que comme je l'ai déjà fait une fois, il charge moins ou il est quand même bas de long le chargement. Mais ouais, du coup, la première sur Valo en ce moment, il n'y a pas grand monde qui le fait. Du coup, bah, personne ne l'a fait. La saison prochaine, je vais rechoper des gars. Il y a des gars qui sont chauds pour la faire quasiment tout le temps. Du coup, de toute façon, là, on est 4 sur 5, à mon avis, parce qu'il y aura un peu tapo là. Et du coup, on sera peut-être pas dans la même classe. Parce que vous, je vois, vous êtes premier ou enfin, dans les 10 premiers, si je dis pas de conneries. Dragon noir, roi des monts devenu dragon. En plus, il louche. Et Link, il est mangé. Il est beau ce putain de jeu. Ça, c'est de la cinématique, moi, je pense. Holy wa, Hirin Yeager. Chic. Moi je vais juste prendre une photo. Je sais pas si comment je pourrais prendre une photo de lui là. Ouais, je m'en fous, c'est juste pour prendre la photo pour le moment et si j'ai l'occasion d'en faire une meilleure. Avec sa mère quoi.
J'ai peut-être sauté un peu tôt. J'ai sauté bas de tôt. Ouais, beaucoup trop tôt. Elle m'a jeté en l'air. Ouais bon, elle est pas si... Elle est... Ouais. Chaque fois je prends... Mais... Ah mais on a plus, wesh. C'est là-bas, merde. Là, c'est trop tard, il me semble. Ouais, voilà, c'est trop tard. Mais... Zeldo. Ah ouais frérot. Elle m'a lâché. Mais elle me lâche à l'endroit dégueulasse à chaque fois. Putain Zelda, tu sers à rien. Putain, je vais mettre trop de temps pour pas grand chose, ça me dégoûte. Moi j'étais juste venu prendre des photos. Hein. Je crois que j'ai même pas mis autant de temps la première fois que je l'ai fait. Regarde où elle me lâche aussi, elle. Le bordel, il a l'eau de bouffe. Une 200. Bam. Oh putain mais... Elle est vraiment... Elle pue la merde. Zelda, je vais te niquer ta race. On casse les couilles.
Ouais, elle est parfaite la photo. Je m'en vends pas d'autres. Voilà, nickel, allez. C'est bonne la photo là. Je veux rien prendre d'autre. Et... Moi je vais tout passer parce que j'ai trop la flemme de regarder les trucs et juste là. Encore des prisons, ouais. On va la voir, cette cinématique, elle est trop belle. Juste là, l'image. L'image de fou malade. Eh, vas-y. Non, elle donne des frissons quand même, cette cinématique de fin. En vrai, quel jeu quand même, hein. Je me le répète, mais... Ah putain, mais c'est Zelda le lullaby. C'est la berceuse de Zelda. Link, qu'est-ce que... Je l'avais... Elle t'est revenue. Le son fail. Incroyable, mais ça faut trop qu'ils refassent une suite à Skyward Sword. Et alors, le roi démon, tu l'as vaincu, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rêve. La déesse soit louée. Mais moi, comment je... Est-ce qu'il y a une cinématique de enfin différente comme j'ai fait tous les trucs? En fait, je me souviens. J'ai dormi très longtemps. Jusqu'à ce jour. Et puis, soudain, j'ai senti une chaleur vaste et apaisante qui m'enveloppait. Et je me suis réveillée. Toi, tu te souviens? Oh, merci. Du coup, là, j'ai tous les souvenirs. Tu sais, j'ai voyagé très loin dans le passé. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Je voulais tellement te raconter tout ça. Et c'est possible à présent. Je suis rentrée. Enfin.
Incroyable le petit jeu là. Le petit jeu est sympathique quoi. Oh. Ah non, attends. Je m'en souviens même plus. Attends quoi? On l'avait vu celle-là de cinématique? Waouh. Vous imaginez l'ingéniosité déployée? Non, je l'ai pas vu celle-là. Les exploits de la civilisation Sonao me surprendront toujours. Nous sommes arrivés. Je suis heureuse d'avoir eu le temps de vous conduire jusqu'ici. Admirez. C'est le royaume d'Hyrule tout entier qui s'offre à vos regards. Oh, eh ben, vous étiez déjà monté aussi haut que ça, vous? Non, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais vous aussi, bien sûr. Vous étiez dans le ciel pendant tout ce temps. Oui, mais je n'en conserve aucun souvenir. Comme c'est étrange. Je n'aurais jamais cru me tenir ici à nouveau. J'ai bien une théorie à ce sujet. Le pouvoir de la lumière, allié au pouvoir du temps. Link a servi de catalyseur au pouvoir de Rauru et Sonia. C'est ce qui a permis ce miracle. Oui. Il est temps. Mon heure est venue. Dame Mineru! Il y a fort longtemps, nous avions chargé les générations futures d'éliminer ce fléau. Et grâce à vous tous, il a enfin été vaincu. Je peux donc retourner auprès de Rauru et des miens l'esprit tranquille. D'une même voix, nous les quatre, en faisant le serment, nous soutiendrons son altesse. Nous soutiendrons la princesse Zelda et maintiendrons la paix en Hyrule. J'en ferai part à Rauru et à Sonia. Dame Mineru! Je leur transmettrai aussi tes sentiments les plus sincères. Je l'avais définitivement pas vu, la cinématique. Le roi Rauru, la reine Sonia, Dame Mineru, ainsi que les sages des temps anciens. S'ils se sont battus, ce n'était pas pour un répit éphémère,
Il voulait que le royaume vive en paix pour toujours. Et ce souhait, je veux l'honorer. Je veux qu'il vive à tout jamais. Il vivra. Nous serons là pour y veiller. Tous ensemble. Des frissons, putain. Mais le jeu, après 90 heures, je découvre encore des cinématiques aussi importantes. Trop con. Vicingerie. Mais au moins, j'ai les photos de Ganon de ces trois formes. Et c'était ça un peu le but aussi. Donc là j'ai les photos. Normalement j'ai les photos. Ouais. Putain, elle est magnifique celle-là. Non mais vraiment, enfin, qu'on se le dise. Et donc là, dans Encyclopédie d'Hyrule, du coup... Ouais, d'accord. Il me manque quand même un peu de monstres. Beaucoup d'animaux. Et beaucoup de matériaux quand même. Et les armes, j'en parle pas. Je vais acheter les monstres. Les monstres, je vais aller les choper. C'est où déjà? Pas Cocorico, c'est limite. This is Elmet. 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 Wow. Et c'est pour les monstres. Et voilà, du coup, j'ai tous les monstres. Photo ennemi fort. Donc là, j'ai toutes les photos des ennemis forts. Faut 8000. Donc là, dans l'album, dans l'encyclopédie, j'ai tous les trucs. Ah ben ouais, il fallait photographier tout ce qui est Grand Koga, Officier Iga, Soufi. Ah ben oui, je suis trop con.
Inox, roi Griok. Il va falloir que j'aille le taper. Hein. Les Moldrakor, il va falloir que j'aille les saquer aussi. Gigatracien Opalin. Ah ouais, mais en fait, j'ai photographié aucun bordel, moi. Ah ben oui, du coup, ça aussi. Togoma. Ligue de vase. Octopulpos. Rengibdo. Golem corrompu. Phantom. Oh, il est trop stylé. Roi démon deuxième forme. Et dragon. Non, elle est stylée par contre. Donc du coup j'ai tous les monstres. Kito like. Trompeur. Bibdo ailé. Sorcier Blizzaro. Bras zéro, électrique, glace, octoflotte, octofourré, octopierre. Chuchu, il est où ? Eh vraiment, les photos elles sont désastreuses. C'est pas un chuchu ça. C'est un truc d'eau. C'est peut-être pour ça que je l'avais jamais fait. Ok, moi j'ai bien... Tire pas mal quoi. Ouais, les photos du gars, ils sont peut-être un peu mieux que les miennes. Ça, c'est les siennes. Et ça, c'est les miennes. Voilà. Ça, c'est les siennes. Ça, c'est les miennes. Les siennes. Les miennes. Allez, je suis mort. Oh, la griffe de flamme, frère, il est à 3 km. Bon, moi je vais m'arrêter ici. De toute façon, le 100%, je continuerai à le faire, bien évidemment. Hein. Mais bon. Voilà. On va remettre le micro comme il était. Et voilà. En tout cas, merci à tout le monde d'être passé. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à mon petit bambino d'être passé. Merci Chouépos et merci Gohan pour la première visite. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et je vous laisse avec Domenzora, la musique de Twilight Princess. Salut tout le monde!